L'atelier d'usinage est un endroit intéressant et stimulant, mais il n'en demeure pas moins que c'est un endroit excessivement dangereux. Il est important de suivre à la lettre les consignes et les règles de sécurité présentées par votre professeur. C'est excessivement important. Bonjour, bienvenue au premier d'une série de 3 films portant sur le projet Jauge à forêt. Pour compléter la première partie du projet, on va avoir besoin des outils suivants. Un bon étau d'établi, un marteau à panne ronde de moyenne masse et un marteau à panne ronde de faible masse. Un ensemble d'outils de traçage, incluant un pointeau de traçage, un poinçon de traçage et un poinçon à centrer. On va également avoir besoin de 2 limes. Une lime à grosses dents, préférablement à taille double pour le dégrossissage, et une lime à petites dents, préférablement à taille simple pour la finition. Une équerre ajustable, une pièce brute, du bleu de traçage, une calculatrice, notre plan, notre gamme d'usinage. Et évidemment, il ne faut pas oublier nos lunettes de sécurité. On commence par vérifier les dimensions de la pièce brute à l'aide de la règle de l'équerre ajustable. Les dimensions de la pièce brute sont indiquées dans la portion supérieure de la cartouche du dessin. À l'aide d'une lime à dents fines, on va ébarber la pièce brute. L'ébarbage est une opération importante. Elle augmente la précision des opérations d'usinage à venir et réduit la possibilité de se blesser lors de la manipulation de la pièce. Il est très important d'établir les surfaces de référence pour l'épaisseur de la pièce, la hauteur de la pièce et la largeur de la pièce. Pour avoir des surfaces de référence, on a besoin de surfaces planes qui sont d'équerre ou placées à un angle de 90 degrés par rapport aux autres surfaces de référence. Donc, très important de vérifier et de s'assurer que ces surfaces sont planes et d'équerre. La pièce brute provient d'une barre qui mesurait au point de départ une 20aine de pieds. C'est donc le bout coupé à la scie qui m'importe particulièrement d'aplanir et de rendre perpendiculaire aux autres surfaces de référence. Pour ce faire, je vais utiliser un équerre ajustable et, en tenant la pièce solidement et rigidement dans un étau d'établi, je vais utiliser une lime à taille double à grosses dents pour dégrossir la surface. Je vais ensuite utiliser une lime à taille double ou simple à dentition fine pour finir par tritirer cette surface pour la rendre la plus plane et perpendiculaire possible. À l'aide de l'équerre ajustable, je vais vérifier la planéité et la perpendicularité de cette surface que je viens de compléter et si je suis satisfait du travail, je vais rapidement identifier le point ou le coin de référence à l'aide d'un pointeau de traçage en appliquant un X sur le coin inférieur droit de la pièce. On appelle surface primaire la plus grosse surface de la pièce. On a ici une paire de primaires.
secondaire, la deuxième plus grosse surface, on a une paire de secondaires. Et tertiaire, la troisième plus grosse surface, on a une paire de tertiaires. On va enduire la surface primaire de notre pièce, sur laquelle on a tracé notre petit X, d'une fine couche de bleu de traçage. Le bleu de traçage est une teinture, pas une peinture. Alors, on enlève l'excédent sur le tampon avant l'application. On veut appliquer seulement qu'une mince couche. Une fois appliqué sur la pièce, le bleu de traçage devrait avoir une apparence presque translucide. Il faut l'appliquer rapidement, sans passer deux fois sur la même surface. Le bleu de traçage est dilué dans de l'éther qui s'évapore très rapidement. Il faut éviter d'inhaler directement les vapeurs de ce produit, puisqu'ils sont nocifs pour la santé. Pour qu'il soit bien visible, on retrace notre X sur notre coin de référence. Et voilà, la première grande étape du projet est complétée. On peut maintenant passer au tableau parce qu'il va falloir effectuer certains calculs avant de pouvoir continuer. Il est important de noter que le point de référence qui nous est donné sur le dessin et le point de référence que nous allons utiliser lors de la fabrication de la pièce ne sont pas toujours les mêmes. Dans notre cas ici, le point de référence original se situe à cet endroit-ci. Et notre nouveau point de référence se situe ici. Puisque nous avons le même point de référence dans l'axe X, pour l'ancien et le nouveau point de référence, les dimensions X vont rester telles qu'elles apparaissent sur le plan. Nos dimensions Y, par contre, vont changer de l'endroit original au nouveau. Donc, au lieu de mesurer du centre imaginaire de la plaque, qui n'est pas du tout le centre de la plaque, vers le bas, il va falloir qu'on mesure de notre nouvelle surface de référence vers le haut pour obtenir nos Y. Ce qui veut dire qu'il va falloir recalculer la position de tous les points Y sur la pièce. On va les recalculer comme suit. Le point G est le centre d'un rayon de 1 1/8 de pouce. Nous savons, d'après le plan, que le point G se situe à 1/4 de pouce au-dessus de l'origine Y originale. Donc 1 1/8 moins 1/4, il va nous rester 7 1/8 de pouce entre le point d'origine Y premier et le nouveau. Donc, si on veut recalculer l'emplacement, par exemple, du trou A, on sait que le trou A se situe à moins 3/4 de pouce dans le X, ce qui ne changera pas, mais il se situe également dans moins 1/4 de pouce dans le Y. On ne veut pas mesurer de l'origine vers le bas, mais de notre surface de référence vers le haut. Donc 7 1/8 de pouce moins 1/4, il va nous rester en bas ici, 7 1/8 moins 2 1/8, ou si on aime mieux, 5 1/8 de pouce. On peut recalculer tous les autres emplacements des trous et des points centrales de rayon de la même façon. Ayant recalculé l'emplacement des points Y sur la pièce, je peux maintenant passer au traçage de ces emplacements sur la pièce en utilisant le pointeau à tracer et l'équerre ajustable. Je vais placer l'équerre ajustable pour que je puisse voir la règle graduée en 32e de pouce contre la surface de référence de l'outil. Mon premier emplacement dans le X pour le trou A est X moins 3/4 de pouce. Donc, je vais me placer à 28 32e et je vais utiliser le bout de la règle à partir de la référence
pour tracer ma ligne. Je place la référence de la pièce contre la surface de référence de l'outil. Je place mon pointeau à tracer contre la règle en penchant légèrement dans la direction que je veux tracer pour tracer un trait clair. Je vais faire toutes les X en premier, puis ensuite on fera les Y. Donc si je passe au trou B, le B dans le X est à moins 1,7/8 de pouce. Donc moins 1,28/32. Et encore une fois, j'utilise le bout de la règle contre la pièce en plaçant le pointeau pour entrer dans l'interstice. Et je trace une ligne. Le trou C dans le X se situe à moins 3 pouces. Donc je vais placer ma règle à 3 pouces. Et tracer une ligne. On peut continuer ainsi pour tous les emplacements X. A, B, C, D, E, F, G et H. Vous remarquerez que je n'ai pas tracé les lignes d'un côté à l'autre de la pièce, mais je les ai placées grosso modo à l'endroit où je m'attends à ce que l'intersection se fasse une fois que j'ai tracé les traits Y. Si je traverse la pièce au complet, je finis avec un carrelage de lignes et des doubles intersections, ce qui peut causer énormément de confusion. Je peux maintenant passer au traçage des traits dans le sens de l'axe Y. D'après les emplacements que j'ai recalculés, c'est important de travailler proprement et de façon organisée. J'ai mon plan original, j'ai mes nouveaux résultats, tout est clairement identifié. Je réduis ainsi la possibilité d'erreur. Donc, pour l'emplacement A, j'ai une dimension de plus 5/8 de pouce. Je vais donc me placer à 20/32. Et à partir de ma surface de référence, venir tracer mon trait que je vais tracer très court pour éviter des intersections non désirables entre mes autres lignes. Mon trou B se situe à plus 1/2 pouce, donc 16/32. Je vais me placer à 16/32. Encore une fois, référence contre référence, court trait. Mon trou C se situe à plus 3/8 de pouce, ou si j'aime mieux, 12/32. Référence contre référence, et je trace encore un court trait. On continue ainsi pour tous les emplacements sur la pièce. On peut voir ici que l'alternance entre les traits longs du X et les traits courts du Y clarifie énormément l'emplacement des différents points et trous sur la pièce. Pour réduire la confusion au maximum, il n'est pas mauvais d'identifier chaque trou par leur lettre telle qu'il apparaît dans le tableau cartésien. On peut maintenant passer à l'étape du poinçonnage. En utilisant une surface stable et rigide qui va limiter le rebondissement de la pièce, on peut maintenant passer au poinçonnage en commençant avec le poinçon de traçage, celui qui a une pointe de 30 à 60 degrés et un marteau à panne ronde de faible masse. On va faire une petite indentation à l'emplacement de chaque point et trou qu'on a tracé sur la pièce.
On peut maintenant passer au poinçonnage pour le poinçon de centrage, celui qui a une pointe d'environ 90 degrés, pour agrandir l'indentation qu'on a produite avec le poinçon de strassage. On va utiliser pour ça un marteau à panne ronde de plus grande masse. Il est important de ne poinçonner que les trous et pas les points, donc A, B, C, D et E et F, mais pas G et H. Maintenant que l'emplacement des trous a été poinçonné avec le poinçon de centrage, on est prêt pour le perçage. L'indentation qu'on a produite va aider à guider le forêt au bon endroit sur la pièce. Avant de percer, il faudrait qu'on regarde qu'est-ce qu'on veut faire au juste avec ce perçage-là, puis comprendre un petit peu qu'on ne va pas juste percer n'importe quel trou à n'importe quel emplacement, mais qu'il y a un ordre spécifique à respecter. Si on regarde le tableau ici, on remarque que l'emplacement A, B, C, D et E sont décrits comme étant des filets à numéro impérial. A est un 540 UNC, B est un 632 UNC, C est un 832 et ainsi de suite. F est décrit comme étant un trou de diamètre de 1/8 de pouce. G et H sont décrits comme étant des points centrales ou des centres. Donc, il va falloir percer des trous, mais quelle dimension? Pour le trou F, c'est relativement simple. 1/8 de pouce, et on va utiliser le foret, un des deux forets qu'il y a sur le bout du bloc ici, qui devrait être des forets d'1/8 de pouce. Pour les autres, il va falloir trouver quel foret va être utilisé pour quel trou. Si on prend A comme exemple, 5,40. Bon, mais dans le bloc à outils qu'on a ici, on a trois tarots identiques de 5,40 et trois forêts identiques, numéro 38. Les trois forêts vont avec les trois tarots, n'importe lequel avec n'importe lequel. Pour trouver ça, parce qu'on n'aura pas toujours un bloc avec nous quand on travaille sur des pièces, on peut utiliser un tableau aide-mémoire, comme je vois ici. Je trouve mon 5,40 et ça m'indique que pour tarauder un trou fileté grosseur 5,40 filets au pouce, impérial, UNC, il va falloir que j'utilise un foret numéro 38. Donc, ce n'est pas un foret de 38 mm, mais bien un foret à numéro impérial, qui est la grosseur 38. Tous les autres tarots dans le bloc d'outils sont accompagnés de leur foret. Il est important, par contre, de s'assurer que le foret est replacé au bon endroit, parce qu'il arrive parfois que la personne qui utilise le bloc avant vous ne replace pas les forets au bon endroit. Pour vérifier qu'on a bel et bien le bon foret, il va falloir le mesurer avec notre pied à coulisse, en vérifiant avec notre tableau aide-mémoire que le numéro du foret est bel et bien celle qu'on veut avoir. Les tarots sont des outils de coupe qui servent à produire un filet intérieur. Ils ne peuvent pas produire le trou eux-mêmes, mais vont bien suivre un trou existant. Il est donc très important de percer un trou de la bonne grosseur. Si le trou est plus petit qu'il devrait être, le tarot risque de se coincer et de se fracturer lors de la production ou de la taille du filet. Si le trou est trop gros, évidemment, le tarot n'aura plus rien à couper et il n'y aura pas de filet dans le trou. On va commencer par installer la pièce dans un étau de perçage. On va la soutenir à l'aide de cales parallèles afin de la stabiliser. Et pour la soulever, pour qu'on puisse produire nos trous
sans percer dans le corps de l'étau. Il est important pour la sécurité, avant de commencer à percer, d'installer une serre ou une tige de blocage qui nous permettra d'accoter l'étau pour éviter qu'elle puisse faire une rotation sur elle-même. Avant d'aller plus loin, il est très important, puisqu'on va installer l'outil et ajuster la machine, de s'assurer que le bouton d'arrêt d'urgence est bien activé pour qu'il soit impossible de partir la machine pendant qu'on a les mains dans la machine. Avec le courant bien éteint, on peut maintenant ajuster la vitesse pour les trous qu'on va produire, puisqu'ils sont de petit diamètre. Une vitesse d'environ 1200 tours minute va être acceptable, ce qui va nous donner à peu près le troisième niveau des poulies ici. Pour changer les vitesses, on va enlever la courroie de la plus grosse des deux poulies pour ensuite l'installer au troisième niveau et la remettre sur la plus grosse des deux. La courroie doit toujours être parallèle. On peut maintenant passer à l'installation du forêt numéro 38 qui va être utilisé pour percer le trou fileté A de 5,40 UMC. On l'installe dans le mandrin en le tenant par la partie parallèle du forêt et en le serrant bien à l'aide de la clé. Donnez un petit tour à la main pour s'assurer que le forêt tourne de façon concentrique. On peut maintenant vérifier la hauteur de la table. On voit ici qu'il y a un grand espace qui sépare le bout du forêt de la surface de la pièce à percer. C'est pas acceptable. On va réduire cette distance-là à environ un pouce. Pour ce faire, on ne laisse jamais l'étau sur la table lorsqu'on ajuste sa hauteur. On se positionne au-dessus de notre trou en accotant l'étau contre la serre qu'on a fixée sur la table au préalable. On est prêt à percer. On active le circuit et on se rappelle, c'est un très petit forêt. On doit peser légèrement sur la manivelle. Il faut par contre éviter le frottement. On peut maintenant retirer le forêt afin d'installer le forêt numéro 36 pour le prochain trou. Mais avant de travailler ou d'ajuster la machine, on s'assure que le bouton d'arrêt d'urgence est activé. On retire le forêt, on le replace à son endroit dans le bloc d'outils et on passe au prochain. Fixe bien, on vérifie sa concentricité, on allume le circuit, on se positionne au-dessus du trou B et on repart. On continue ainsi pour le reste des trous à produire sur la pièce.
Ayant complété le perçage, on peut maintenant retirer la pièce et l'ébarber, c'est-à-dire enlever les bavures produites par l'action de coupe. Rappelez-vous, la pièce est mince, il faut faire un petit chanfrein lors de l'ébarbage. On utilise pour ça un outil d'ébarbage manuel. La prochaine opération à compléter sera le taraudage, opération que l'on entreprendra au tout début du deuxième film de cette série de trois films portant sur le projet Jauge à forêt. À bientôt!